L'unité et la paix en République démocratique du Congo ont été au cœur de l'intercession faite en faveur de la RDC le dimanche à la Cité des Triomphes. Sous la conduite du Saint-Esprit, les chrétiens combattants, avec en première ligne les officiers et généraux des forces armées et de la police nationale, ont recommandé le pays dans son ensemble et surtout sa partie est entre les mains du prince de la paix. Les chefs de toutes les promotions de la communauté internationale des femmes messagères de Christ CFMC étaient à la Maison d'Alliance. But de leur présence, recevoir officiellement leur fille, Madame Aksa Kaseya Olangi, qui est rentrée à Kinshasa avec son mari et l'enfant que Dieu leur a donné. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus était très préoccupé de l'unité de ses disciples. Ces derniers commençaient déjà à se disperser dès l'arrestation du Maître. La mission qu'ils allaient accomplir et la puissance dont ils en avaient besoin ne devraient pas les trouver dans cet état de dispersion. C'est pour cela que dans Actes 1, 4, le Seigneur leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Cette recommandation est aussi valable pour nous à quelques jours de la commémoration de la venue du Saint-Esprit à rappeler le dimanche le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangi. Depuis que les parents sont partis, Outa, baboti bakende, à la félicité céleste, namboka nankembo, il y a beaucoup. Et ça n'a pas été. Il ne faut pas s'étonner parce que les disciples de Jésus l'ont fait. Et ça a été beaucoup de temps. Il y a des disciples, il y a des messagères qui se sont éloignés. Qui se sont éloignés du ministère. Qui se sont éloignés de la vision, qui se sont éloignés de la cité de triomphe. Mais nous sommes au 43e jour. Que l'Éternel touche chacun d'entre nous pour que tout cela qui se sont dispersés soit saisi par l'Éternel et qu'il s'éloigne plus de la cité de triomphe. Qu'il revienne au ministère. C'est ici que Jésus fait. C'est ici que Jésus fait des grandes choses. C'est ici que vous avez rencontré le Dieu de papa et de maman Olangi. Et il a fait ce que Jésus-Christ a fait lors de sa mission. Il vous a libéré, il vous a délivré. C'est ici que l'Éternel nous demande de ne point s'éloigner. L'insistante recommandation de Jésus à ses disciples s'est accomplie après son ascension. L'Écriture rapporte dans Actes 1, 12 à 14 que les disciples retournèrent à Jérusalem. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Le jour de la Pentecôte les a trouvés dans cet état. C'est Dieu également qui nous a donné ce beau pays. Et c'est Dieu également qui fera en sorte que ce pays soit toujours uni. L'unité et la paix en République démocratique du Congo ont été au cœur de l'intercession qui a été faite en faveur de la RDC le dimanche à la Cité des Triomphes.
Sous la conduite du Saint-Esprit, le primat du ministère chrétien du combat spirituel a demandé à tous les officiers et généraux des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise de monter sur l'autel des dieux pour recommander le pays dans son ensemble et surtout sa partie est entre les mains du prince de la paix. En limite, en seul cœur, en limite comme seul homme, Yahweh. Le Congo, c'est le Congo, Goma le sang coule, à Goma les enfants pleurent, à Goma les femmes pleurent, à Goma ne va pas bien. Une intercession qui a sans nul doute été motivée par la recrudescence des combats de la province du Nord Kivu entre l'armée nationale et un mouvement rebelle. Papa Alain Gabriel Olangi a imploré la miséricorde de Dieu sur le pays. Lève-toi pour la RDC. Tellement pour la Tina et la Congo démocratique. Lève-toi pour notre cher et bon pays. Tellement pour la Mbokanabiso Tolingi Mingi Pekitoko. Lève-toi, père. Tellement, tata. Pendant que nous humilions, nous, les Congolais. Wanabiso Baï Congo Toko Mikitissa. Lève-toi pour notre pays. Tellement pour la Mbokanabiso. Lève-toi, Jésus. Téléma, Yesu. Lève-toi, Père. Téléma, Tata. Ce pays t'a été dédié. Mbokao, ma pontamaki, na maboko mayo. Pourquoi cette éternelle souffrance? Mponani ni passe aussi la terre. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Lève-toi. Téléma. Lève-toi. Téléma. Que ta main s'élève sur ce pays. Le poko na yo esembola maliko na mboka oyo. Jésus. Yesu. Lorsque tu te lèves, Père. Tango, yo téléma ka tata. Lorsque tu te lèves pour notre pays. La paix sera retrouvée. Lorsque tu te lèves pour notre pays, il y aura une unité éternelle dans ce pays. Lorsque tu te lèves pour ce pays, ce pays que tu as béni profitera de sa bénédiction. Humblement, nous te recommandons notre pays entre tes saintes mains. Lève-toi. Agis. Sala. Comme tu as fait avec Israël. Mpela moko o salaka na Israël. Tu as combattu pour Israël. O kundela bango. Combat pour la RDC. Undea pepo ya mboka na biso. Ce moment d'intercession traduit, pour n'est besoin de le rappeler ici, la devise de la fondation Olangi Osho, la paix avec Dieu et entre les hommes. Qui te caractérise, soit ancré en nous, les Congolais. Face à la reprise des combats à l'est de la République démocratique du Congo, le président de la Fondation Olangi Osho demande à tout le peuple congolais de s'unir dans la prière et d'implorer la miséricorde de Dieu sur notre pays, la RDC qui a vivement besoin de la paix pour son développement. Jésus-Christ égale unité.
Lorsqu'on parle de l'unité avec Dieu, on parle souvent de la Trinité. On voit Dieu le Père, on voit Jésus-Christ le Fils, et on voit le Saint-Esprit, Esprit. Le tout là, c'est une unité, et ça forme Dieu le Père, le Tout-Puissant. Ce n'était pas prévu. C'était sous l'inspiration du Saint-Esprit que cela a été fait. Et nous avons obéi à l'Éternel en faisant une prière. Nous avons pensé au chef de l'État, à tout son gouvernement et également à tous nos vaillants qui sont sur le front, c'est-à-dire nos militaires de la FARDC et également nos policiers de la police nationale congolaise. Et également, nous avons prié pour tout le peuple de la RDC en général et celle de l'Est en particulier. Dans cet élan des mobilisations spirituelles, le président de la Fondation Olagi Osho a annoncé que le retour de la paix dans la partie orientale du pays est depuis quelques jours en tête des sujets de prière dans toutes les chambres hautes du ministère chrétien du combat spirituel. À partir de ce jeudi, Kobanda Mokolamine Yaposo et Kobanda, 2 juin, Mokolami Balé à Sanza Motoba, jusqu'au samedi 4 juin, Kino Mokolo Yaposo Mokolamine Yasanza Motoba, nous avons une retraite générale. Tozali Nangizi, Ya Etonga Mobimba. Depuis la fin du confinement pour COVID-19 en RDC, bientôt 2 ans, c'est la première fois que le ministère chrétien du combat spirituel, siège international de Kinshasa, organise une retraite générale. Elle aura lieu pas seulement à Kinshasa, mais également dans tous les autres sièges ce week-end. L'annonce a été faite le dimanche par le président de la Fondation Olagi Osho. Dans quel état d'esprit les chrétiens combattants entament la dernière semaine avant la Pentecôte? Quelques-uns approchés par CVV International ont répondu. Donc la semaine qui nous reste, c'est la vitesse des croisières, comme on dit. C'est la vie des prières, la sanctification, la vie. Il faut avoir aussi la foi et être affermi. Parce que la dernière semaine, si tu n'es pas affermi, pourras-tu avoir une tempête, un vent qui peut te bouger. Mais si tu es affermi, tu tiendras bon. Si tu as la foi, tu vas persévérer. Si tu es dans la vie de prière, tu vas arriver. Et le Saint-Esprit, dans la sanctification, il descendra et il prendra place et tu vivras le miracle. Je suis dans la joie, parce que ça m'est manqué hein, de ce genre de retraite. Une semaine de la Pentecôte, être ensemble dans la prière, avoir des révélations, ça, c'est une trop bonne chose qui nous arrive. Dieu merci. Et je crois que c'est le bon départ après le départ des parents. Nous serons là pour pouvoir implorer Dieu, invoquer ce Dieu. Et je sais que cette retraite est la bienvenue pour nous pousser à pouvoir vivre la plénitude de Dieu pendant la Pentecôte. Donc c'est une grande joie et nous prions pour qu'aucun combattant ne puisse manquer à ce grand rendez-vous. La retraite générale à Kinshasa et ailleurs aura donc lieu du jeudi 2 au samedi 4 juin. Et le dimanche, ce sera la grande célébration, la grande commémoration de la venue du Saint-Esprit. La repentance et la sanctification ont constitué la trame du message que le pasteur Willy Kalonda a délivré ce dimanche 29 mai à l'église chrétienne biblique ECB à Kinshasa. Sans un cœur repentant et une vie de sanctification, il est impossible de marcher et de développer une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. L'homme de Dieu a aussi révélé la portée spirituelle de l'ascension du Christ. Le jour que Jésus-Christ était monté au ciel, donc l'ascension, nous avons parlé de l'ascension qui est le départ de Jésus-Christ et le transfert de l'autorité et de la puissance qu'il avait laissé à l'Église que nous sommes. Donc ce jour-là, c'était un jour, pas comme un jour ordinaire, mais un jour qui était un jour de transfert.
À la fin de ce dernier culte dominical avant la Pentecôte, beaucoup de fidèles ont exprimé leurs efforts dans le sens de la repentance et de la sanctification pour vivre la plénitude du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, nous nous habillons en blanc, mais moi je pense que cette blancheur-là, ça doit être la blancheur du cœur tout simplement. Ce n'est pas la blancheur des habits que nous portons. Voilà pourquoi la Pentecôte, on la prépare dans la prière, on la prépare dans la repentance. Il faut que cet Esprit Saint trouve un corps qui est saint. Le Seigneur avait dit, restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. Mais pour recevoir effectivement cette puissance-là, nous devons être en conformité avec Dieu. Voilà pourquoi, durant pratiquement 50 jours, nous sommes dans le jeûne et prière pour rentrer en nous-mêmes, nous sonder en profondeur pour que nous soyons conformes. À jour J-7, tout le décor spirituel est planté à l'église chrétienne biblique pour une commémoration qui va impacter la vie de plusieurs. Les chefs de toutes les promotions de la Communauté internationale des femmes messagères de Christ, CFMC, étaient dernièrement à la Maison d'Alliance. But de leur présence, recevoir officiellement leur fille, Maman Aksa Kaseya Olangi, qui est rentrée à Kinshasa avec son mari et l'enfant que Dieu leur a donné pendant que le couple était en prière aux USA. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour accueillir notre chère fille, Maman Aksa, Kaseya, ainsi que leur bébé. Nous n'avons rien à dire à notre Dieu si ce n'est que rendre gloire à l'Éternel. C'est pour ça que nous sommes venus. Tout s'est bien passé. Nous avons donné un tout petit rien et nous avons mangé. Maintenant, nous sommes dans la joie, c'est pour ça que nous chantons, nous dansons. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Alléluia! Très émue par ce geste d'amour, Madame Kaseya a glorifié le Seigneur qui nous a donné, par le biais du couple berger de Rose et Mémoire, une grande famille. Quand on voit nos mamans comme ça, on ne se sent pas seul. Nous voyons et nous constatons réellement que notre maman de Rose Mémoire, notre maman Elisabeth, Elisabeth Olangiwoch a vraiment fait un grand travail. Elle n'est pas là, mais on sent vraiment les mamans qui sont là, qui nous montrent beaucoup d'amour, qui nous montrent la compassion, en tout cas. Que le Seigneur bénisse toutes ces mamans qui se sont disponibilisées, elles ont laissé peut-être leurs occupations pour venir me voir, pour venir bénir notre bébé Carnia et venir nous bénir, nous encourager, mon mari et moi. En tout cas, que Dieu bénisse toutes les mamans de la CIFMC, que le Dieu de nos parents se souvienne d'elles, que le Dieu de nos parents leur remette au centuple, leur donne au centuple tout ce qu'elles ont donné ce matin, que le Seigneur leur visite, que le Seigneur visite leur famille, leur foyer. La présence des responsables de toutes les promotions de la CFMC avec à leur tête les pionnières sous l'arbre s'entendait aussi comme une marque de reconnaissance pour tout l'amour et toute l'attention reçue de Papa et Maman Olangi. Une reconnaissance qu'elles ont tenue à exprimer à leur avant-dernière fille.